يس. انا عندي عربيه. Je filme en caméra cachée, nous venons d'arriver, c'est PT3. Et bonjour les amis. Il est 5h50 du matin. Oui, en forme. Ah, on commence directement. Et comme ça peut peut-être se voir à nos têtes, nous avons peu dormi à cause d'une attaque de moustiques. Il s'est dirigé tout droit sur notre chambre. Pas marrant. Et il nous a fait dormir que 3 heures. Donc merci. Voilà. Un vrai plaisir. On va au Caire, on a un train de 2h30 à prendre. Et puis voilà, on va arriver au Caire, on va voir comment ça se passe. On a préféré prendre le train tôt. Salam alaikum. On a hésité entre prendre les places en première, ce qui peut être une expérience pour voir ce que c'est, et prendre les places avec les gueux en 3ème classe. Et là, il n'y a pas de 3ème classe, il n'y a que première et 3ème. Flemme. Première et 2ème. Flemme. Donc, la 3ème classe, ce sera pour une autre fois quand on aura dormi. Enfin bref, on se retrouve à la gare ou avant s'il y a un truc qui se passe. Mais là, il n'y a pas grande activité dans la rue. Nous voici arrivés à la gare d'Alexandrie. Alors, aucune idée de si elle a été construite sous les Anglais ou pas. J'aurais tendance à dire que oui, ça ressemble pas trop à l'architecture qu'ils font eux. Ah bon, on peut pas trop filmer, on nous a dit de pas filmer, il y a des flics un peu partout dans la gare. Il y a fait genre qu'on se parle limite. Donc ouais, très bonne idée. Donc voilà, il y a des flics tous les 20 mètres, la gare est magnifique. Il nous a dit que c'était interdit même à l'extérieur de filmer la gare. Ouais, et dedans aussi. Ouais. Donc là on voulait acheter des tickets, c'est un peu la galère, mais il y a des Égyptiens très sympas qui nous ont dit où est-ce qu'il fallait aller. Parce que c'était pas au truc de ticket principal. Et sinon la gare est très belle, on va essayer de montrer. Et voilà. Une très belle gare, classe, franchement ouais, j'ai hâte de voir à quoi ressemble le train. Dans le train au moins on pourra filmer, ça c'est sûr. On va acheter les tickets et on se retrouve juste après. On est les seuls dans le truc des touristes pour prendre les tickets. Ah oui c'est vrai, enfin bref, il y a les flics. Bon, nous avons les tickets, mais c'était pas la bonne gare. Donc là, il y a un mec devant qui bosse à la gare, au truc de touriste, qui nous emmène à Sidi Gabel. Alors là, on va rigoler. On va rigoler à rentrer là-dedans. Diable stage. Ok. On va rigoler, hein. T'en prends ça sur tes genoux. Alors là, on va rigoler. Hein. Donc, nous sommes présentement dans un taxi bus brousse. Là franchement on est bien, hein. Tu voulais du pito, là t'as du pito. Ah oui, parce que on est pressé par le temps, il part à 7h pile. Il est 43, on sait pas du tout où est la gare. Il fait passer l'argent au chauffeur et il te rend la monnaie pendant qu'il conduit en fait. Il a la caisse sous les genoux. Il fait passer la monnaie pendant qu'il conduit. Alors petite note de ce taxi Uber. Accueil, il n'y a pas d'eau. Aïe. Il n'y a pas d'eau, mais néanmoins, les passagers sont sympathiques et ils sont aidants. Ouais. Donc on va mettre 4 sur 5 niveau accueil. Confort de siège. Zéro. Zéro. On est sur une bûche de bois avec un tissu autour. Voilà. Ensuite, chaleur, il y a la clim naturelle, fenêtre ouverte. On a du vent, c'est bien. Et ensuite, le plus important, à quelle heure on arrive, est-ce que ça sera dans est-ce qu'il y aura la ponctualité? Je ne sais pas du tout à quelle heure on est censé arriver. J'espère, parce que si on loupe, ils s'en battent les couilles. Je dois laisser ma place. Yes. Thank you.
Chokran. Bon, ils descendent là aussi. انا عندي عربيه ومدري ايش اسوي انت بشد ولا بشد سيب الباب انت تركي ورا Je filme en caméra cachée, nous venons d'arriver, c'est PT3. Alors on a dû décoder l'affichage en chiffres arabes, les vrais livres arabes. Alors le 3 c'est deux petits tchouks et un tchouk. Heureusement qu'on a révisé les chiffres arabes un peu avant de partir, de toute façon il y en a 9. Et moi qui pensais qu'on utilisait en Europe les chiffres arabes, en fait c'est pas vraiment ça, c'est une version remasterisée des chiffres arabes. C'est pas du tout la même. On est en train de monter vers où, je ne sais pas. Nous devons aller au quai numéro 3, je pense. Mais alors lequel? J'ai aucune idée de si je peux filmer là, parce qu'on est toujours dans la gare, donc c'est toujours interdit. Je suis obligé de me mettre en mode chauve parce que je cache avec ma casquette. En mode Cairo. Ok, prêt? Here? Sopran. Oh, il a l'air de nous amener. C'est le bon, je ne sais pas. Ce qui part à l'heure, je ne sais pas. Ouais, faut qu'on garde les tickets. Hein. T'as les tickets? Nickel. Ah, très sympa le gars. Très sympa. Par contre, mec, le bordel que c'est. Ouais, franchement, c'est sport. Hein. C'est très sport pour trouver. C'est très chaud également. Par contre, confortable. On va s'installer et après on fait une petite visite du train. Bon, on s'est peut-être emballé un peu trop vite, on n'est toujours pas parti. Et de l'autre côté, je crois que c'est notre train qu'on aurait dû prendre de l'autre côté en fait. En fait, ils nous ont tous donné une heure de départ différente. Sur le ticket, c'est marqué 7h. Le mec nous a dit 7h15, l'autre nous a dit 7h20. C'est marqué 7h28. Ça se trouve, c'est pas des bons tickets aussi. J'en sais rien. Faisons confiance aux locaux. Pour chaque like sous cette vidéo, on offre un billet de train à un touriste qui perd. Donc il faut descendre, tac, mettre un petit like. C'est ce qui nous aide le plus et comme ça on offre, j'ai bégayé, on offre un billet de train pour un touriste perdu pour qu'il puisse voilà. Se payer un train qui roule parce que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Où il va, on n'en sait rien, mais au moins il roule. On va aller voir ça tout en essayant de ne pas parler trop fort parce qu'il y a des gens qui dorment. Alors, donc je le rappelle, on est en première classe, hein, donc c'est ce qu'il y a de plus confortable. Très bien. Donc ça, c'est la porte. Ah bon, on vient d'arriver une gare. Nickel, on voit pas très bien par la fenêtre. Mais c'est un petit peu ça, l'ambiance. Et là, il y avait des toilettes. Il n'y a plus de toilettes. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui s'annonce encore meilleure.